Hiro, c'est Multigamer et on se retrouve du coup pour la dernière partie de la vengeance du Ringed Knight. Du coup, c'est direction Ring City. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va du coup aller dans la direction. De toute façon, ça c'est pareil. Il n'y a pas forcément. On va aller là pour accéder au DLC. Alors c'est vrai que contre les princes démons, bon forcément c'est des ennemis qui sont quand même assez résistants sur les dégâts de feu. Après ça, mon arme elle fait pas que des dégâts de feu, elle fait aussi des dégâts physiques. A voir. Allez, on allume le petit feu, on connaît la chanson. Let's go! Du coup, je suis pas censé mourir. Non, c'est bon, je perds pas de vie. C'est bon. On sait jamais. Ouais, c'est parti. Yes. Oh là, il y a une bénie. On peut toujours la prendre. On va le défoncer. Ok. Ah, on va. Ah, si, si. Je sais ce qu'on va faire. On va prendre un truc. Ça va me permettre de vous montrer. Il a quand même aussi apporté 2-3 modifs dans son mode. C'est pas uniquement de pouvoir contrôler des ennemis ou des boss. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Tac. What? Il est pas mort? Ah ouais. Ok. En même temps, mon arme n'est pas améliorée, hein, forcément. Puis l'attaque plongeante comme ça, c'est... du coup, c'est plus les dégâts du mob, hein, c'est les dégâts lambda, quoi. Enfin, les persos classiques. Putain, mais il est chiant, lui. Voilà, meurt. Et en silence. Voilà. Allez, c'est parti. Putain. Je vais la prendre cher. Ah, dommage. C'était beau là. Dis donc. C'était un combat de titan. Aïe. Petit coquet. C'était limite là. Ouais. Et là vous allez voir, je vais invoquer notre ami Gaël. Mais vous allez voir, il est assez bizarre.
Alors j'ai l'impression qu'il lui manquait des textures là. Ah non. C'est trop drôle. Il va tomber ce con. Ouais, attends, attends. Stop. Gaël, viens. Il pète un plomb le mec déjà. Et forcément, parce qu'il sait qu'il y a des ennemis ici, donc... Ah bordel. Oh, on va un petit peu le regarder faire, hein, s'il arrive à venir. Ah ça va, 511. Alors Gaël, tu viens ou pas? Non? Ah si, c'est bon. Ah il est chaud, regardez. Ah il est chaud là. Allez Gaël. Ah il fait mal hein. C'est trop drôle. Allez Gaël. Non, non, tape, tape, tape. Allez. On te regarde. Défonce-moi tout ça. T'étais déjà destiné à être un pire ennemi. Ah, il bouge bien. Hein, il bouge très très bien. Il fait quand même vachement mal. Pourquoi tu m'attaques? J'ai rien fait, moi, encore. Ah ouais, il est défragmenté. Hein. Allez Gaël, tape, tape, tape. Voilà. C'est trop bien. Ah ouais, il est défragmenté. Voilà. Si vous avez toujours voulu ou rêvé d'invoquer Gaël pour affronter ce boss, ben le vrai Gaël du coup. Mais voilà. Le mode le permet. Allez, tape. Allez! On va le laisser faire. Hein. Franchement, il se débrouille. Hein. Le mec. Attendez, je crois que je vais prendre les jumelles. Ah non, le problème c'est que si je m'éloigne trop. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Il fait mal, hein, vraiment. Hein. Puis il prend tellement peu cher, quoi. Il a vraiment la vie du boss, quoi. Même plus, je dirais.
Ah ouais, il le défonce. Il enlève tellement rien comme vie. Mais c'est pas possible, il a combien de vie, sérieux? Gaï, il a pas autant de vie, hein. Allez, tape, tape, tape. C'est énorme. Mais il bouge tellement bien en plus, c'est ça qui est ouf, quoi. Et du coup, c'est cohérent, quoi. Enfin, cohérent. En tout cas, c'est fun, quoi. Vraiment, il bouge super bien, quoi. Il utilise bien toute la panoplie de l'attaque du boss, quoi. Parce que ce gars-là n'est pas censé faire ça, quoi. Allez, plus qu'un coup, et voilà. Oh putain, il a défragmenté, quoi. Et regardez le bout, mais regardez la vie qu'il a. Il a encore toute sa vie, sérieux. Le mec, il s'est tapé 3 boss tout seul, quoi. Ah putain. Et il lui a enlevé un quart de vie, quoi. Bah oui, mais voilà. GG Gaël. GG Gaël, hein. Vraiment. Force à toi, l'ami. Force à toi. Mais par contre, moi, je vais te défoncer. Je suis obligé. Ah, vraiment, là, il était vraiment mais déchaîné, quoi. Vraiment, il bouge super bien, quoi. C'est pas bugué, ni rien. Oh non, il a très très bien bossé, là, son truc. Hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Ah aussi, il y a Ring City, hein. Putain. Ce DLC, il est fou. Hein. C'était une claque, hein. Quand il était sorti. Hein. Bon là, j'ai pas encore ces bruitages. Mais on devrait avoir ces bruitages quand je vais commencer à me rapprocher des chevaliers enclavés. Là, il faut tracer. Hein. Ok, c'est parti. T'inquiète, petit lézard, je te laisse en vie. Fire. Ok, petit coup d'eau. Désolé pour le bruit. Ah, c'est parti. Bon,
Déjà, premier chevalier enclavé. Ah voilà, ça y est, on a assez de bruitage. Alors, est-ce que on a la même taille que... Non, il manque un peu, hein. Il manque... Pas beaucoup. Ouais, il manque un petit peu, ouais. Ouais, il manque un petit peu. Ouais. Peut-être 1, alors j'ai mis quoi? J'ai mis 1,1. Donc peut-être 1,101 ou 2, je sais pas. De toute façon, on s'en fout. Hein. C'est la dernière partie donc. On va aller dire bonjour à notre pote l'envahisseur là, Alva. Pouah. Oh dommage. Vous voyez, des fois le coup des stocks là, il... Il peut des fois nous mettre dans le... Hein, dans le caca. Ah c'est ouf par contre d'avoir ces bruitages. C'est juste dommage qu'on puisse pas les avoir tout le temps. Yes. Loul. Aïe. Ouf. Ça doit faire mal. Ah, c'est fou d'avoir ces bruitages. Ah ouais, ah c'est trop fun, c'est trop fun. Oh putain, je pensais que mon jeu allait crash. C'est bizarre d'ailleurs que ça fasse ça. Je me demande si c'est pas un fil qui doit être tordu ou quoi, du coup ça doit se déconnecter du port USB. Aïe, aïe, aïe. Allez. Comment il s'appelle déjà, Aldo? Je sais plus. Les dos, hein. Le dos. Pff, par contre, il fait super mal. Combien il tient son arme, lui? Ben, son bouclier, plutôt. Aïe! Allez hop, meurs. Ah bordel.
Ah, c'est fou d'avoir ces bruitages. Allez, midi. Voilà, on va faire doucement. Ok. Ah, là par contre, on n'a plus ces bruitages. Étrange. Ouais, en fait, c'est dès qu'il y a un chevalier enclavé. Enfin, le vrai, du coup, l'ennemi. Quand il y en a un à proximité, du coup, on a ces bruitages. C'est quand même drôle qu'il ait pas réussi à. Parce qu'on ait ces bruitages partout, quoi. Ouais, il avait peut-être besoin d'avoir un script. C'est possible. Alors, ça, c'est une très mauvaise idée. Il y a du vent là, c'est ouf. Ah, j'ai pas levé grand chose. Chaud là. Allez, tu t'énerves ou pas? Non, pas encore. Ça y est. C'est le bif.
Yeah. Non, je te laisse, je te laisse. Let's go. Toi. Tu as osé piquer ma place. Yes. Je l'ai déjà. OK. What? Ah, dans la tête, ok. Fait mal le cochon. Stop, 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 stop. Yeah. Allez, direction Gaël. Alors, est-ce qu'on peut encore se monter de la vie? De la vie. On va d'abord débloquer le prochain niveau.
Allez. Oh, d'avoir les bruitages comme ça, c'est tellement ouf. Comment ça tu m'as touché? Pas d'accord là.
C'était chaud quand même. Hein. C'était chaud quand même. Hein. Allez, on va se remettre la musique à deux. Mais c'était chaud. Mais c'était ouf aussi. Hein. Il y avait les deux. Ah, fou. Ouais, c'était vraiment ouf là. Allez, mi-deal. Et puis, on coupera la dernière partie. Après avoir vaincu Midiel. Du coup, on aura tout fait. Hein. Oui, il y a le démon machin là dans le lac incandescent, je crois, je sais plus. Mais bon. Allez, ici, on suit Midiel et puis on coupe là. En tout cas, gros mode. Hein. Gros mode. Hein. Bordel. Complètement ouf. Hein. Midil. J'arrive. Oh, dommage, je l'ai pas lu.
C'était chaud! Bon, et bien voilà. Nous arrivons à terme de notre vengeance. Ben, nous sommes arrivés à terme. Et voilà. Bon, mais voilà, du coup, et voilà, j'ai fini ce mode encore pour la centième fois. Mais du coup, je vais attendre. Ça va, il reste plus que 3 jours pour Elden Ring. Ça devrait arriver assez vite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Du coup, mais les prochaines vidéos se feront sur Elden Ring. Croyez-moi que l'intro risque d'être pétillante. Pour Elden Ring, je parle. Et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, enfin, vous connaissez le blabla, et ciao!